Ondouakalara, bonjour. Au moment, je le dirai davantage. Donc, bonjour à tous les inconditionnels. Magic FM, 10h-12h, The Melting Pot, le débat inconditionnel de la capitale Yaoundé. Bonjour à la technique et bonjour à tous qui nous écoutent. Nous vous disons merci d'être venus et il faut tout simplement préciser que vous êtes au centre d'une actualité, à savoir la lecture spectacle de votre livre. D'accord, je prépare la lecture spectacle, le kick-off, le lancement des 15 dates des lectures spectacles que je vais donner à Yaoundé surtout. Et le 30 mars, samedi, marquera ce lancement-là à la résidence du professeur Ebusi Boulaga. La lecture spectacle en français facile, c'est une lecture ordinaire, c'est-à-dire un auteur, si on veut un écrivain, face à un public, qui lit quelques extraits de son ouvrage et qui peut les expliquer, ces extraits. Et accompagné soit d'une rythmique, d'un petit son, ça peut être du tam-tam en sourdine, de la guitare ou du piano. Et à un moment donné, la lecture peut être syncopée sous fond de slam ou même encore de conte, pour le Mvet par exemple, pour donner une teinte assez vivante. Parce que le livre n'est pas uniquement ce document-là qui doit être dans un mouroir ou dans un cimetière. D'aucuns nomment les bibliothèques comme étant des lieux cimetières parce que c'est assez calme, c'est reposant. La psychologie, ou alors, s'il y a une certaine opinion qui pense que les Camerounais, les Yaoundiens ne lisent pas. Oui et non. C'est aussi pour essayer d'apporter une tentative de réponse face à ce que nous enseignons. Nous devons être les exemples de ce que nous enseignons. Okay. Donc, prêchez par l'exemple. Et les lieux retenus, la résidence du professeur Ebusi Boulaga, le 30, puis il y aura d'autres dates qui suivront à la Confédération Camerounaise du Travail, CCT, puis Otni Laboratoire des Théâtres et la Case des Arts. Merci. Donc, pendant toute l'année, l'auteur que je suis devenu donnera 15 lectures spectacles sous réserve que d'autres espaces à Douala, Ngaoundéré, autres m'accueillent. Merci.